Voilà. C'est pour ça que j'avais mis un feu. Mais bon, on va servir à autre chose. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est l'émission. Il n'y a pas de problème. Survivant. Alors, attends. Les schémas. Voilà. Allez, on fait la tête. Allez, je fais que la tête. Allez, on a déjà la tête. In the alouette. Voilà, nickel. Allez, on y va. Donc, il faut de la peau. Je vois que dalle. Ce brouillard des. T'avais entendu Saturne? D'accord. Allez. Alors, je sais pas où ils en sont. Hein. Nico et Patou. Bon, je pense que la tenue en peau, c'est pas trop mal. Tu peux mettre dans. Oui, le branchage aussi, tout à fait, Saturne. Et le branchage est filable. Oui, bien, Saturne, c'est avec la pioche. Tout à fait. D'accord, ok, super. C'est pas normal. De quoi? Mais non, mais on a du bois avec. Oh. Mais il m'encourage. Oh. Ah, d'accord. Alors, la prochaine fois, ton masque, je suis désolé, d'accord? Ah, voilà, voilà. T'as vu? Bah si, il faut faire attention. Il faut faire attention, faut être prudent. Ouais, c'est ça. Alors là, voyons voir. On a la tête. On va faire donc le torse. On va descendre. Les mains. Voilà, c'est nickel ça. Donc le torse. Les mains, encore deux, on a fait une autre mission. Hein. Donc réfléchissez pour des missions la semaine prochaine, mais bon voilà, pas trop dur. Mais les caisses seront préparées d'avance, hein, attention. Hein. Donc c'est le petit tout double, c'est ce qui va donner du piment. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là ce dodo là? Allez, on va le dégager. C'est qu'il est? Je l'ai eu, non? Je l'ai pas dépecé. Allez, on va se rapprocher parce que là, j'en ai un autre. Viens là, je te dépece là. Voilà, il me faut de la peau, mec. Ok, c'est qui est mon radeau? Il est là. Je crois qu'il me manque deux choses, hein. Donc, il me manque le pantalon et les pieds. Pantalon. Yes. Hein? Oui, j'ai le torse, ouais. Oh, ouais, ça y est, c'est bon. Sans chemise, sans pantalon. C'est Rick Azaray qui chante ça. Hein. Ah? Sans pantalon. Ouais, d'accord. C'est pas terrible ça. Allez, c'est bon, c'est parti. Patou, elle est heureuse là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu sais pas où tu es? T'es sur ton radeau. Bon, c'est déjà pas mal. Je sais pas où aller. Elle est jalouse. Ouais, mamie Corse, elle est jalouse. Ouais. Ouais, quand elle perd, oh là 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 là. J'en ai pour une semaine. Allez, deux semaines. Hein. Alors, perle noire. Perle noire, je sais qu'il faut taper des trilobites. Qu'est-ce qu'a fait cette anguille là? J'ai une anguille. Tu l'as vu? Ah ouais, hein, qui viennent jusqu'à là, c'est bizarre. Hein. Normalement, c'est profondeur et au large. Là, c'est. Bon, on va se rapprocher de l'île herbivore, hein, parce que 7 minutes après en radeau, il faut vraiment être à côté. Hein. Voilà. La prochaine fois, son masque, tu t'en fous. Oh, il a osé. Il a osé. Oh, Enes Killer. T'as vu, on est gentil et puis voilà. Des... Hein? C'est dingue. Ok. Ouais. Alors du sarcoco, parce que la peau, il en faut. Je suis pas très très bien blindé, par contre. Je suis en tenue de camouflage et je suis. C'est le kit ou doux parce que je peux me faire lyncher. Si je me fais lyncher, faut faire attention aussi à la baleine. Si on se fait couler, c'est mort. On n'a rien, on a zéro point si on se fait couler par la baleine. Ah oui, parce que... Oui, il n'y a que 10 points.
Il n'y a que 10 points parce que j'ai demandé à qui on pouvait garder le pantalon. Sinon, tout doit être dans l'armoire. Et si l'armoire accoule, le radeau, c'est mort. Donc, 10 points divisé par 2, ça fait pour Licorce ou Patou, ça fait 5 points chacun. Sarko est venant de Sansu, le mieux c'est marécage, mais c'est. Voilà, tout à fait, Damien, je sais bien, ouais. Je sais bien. Et ça m'inquiète parce que si j'y vais en radeau, ça va mettre du temps. On a 30 minutes et c'est rendez-vous à l'île herbivore. Hein, et des sarcos, c'est dans le marécage. C'est pas évident là. Hein. On aurait eu un oiseau ou un marin, pas de problème. Ouais, très dangereux sans équipement, tout à fait. Ah, puis j'ai mon verre qui est vide, moi, là, c'est pas. Bah non. Bah moi non plus, je vais attendre la fin de mission, parce que 30 minutes, je sais pas, pas du tout. Je sais pas à quelle heure qu'on a commencé. Alors News, il t'encourage, hein, allez Patou, Laura m'encourage, allez Papy. Hein. Salut Mr. Groot, comment vas-tu? Tranquillo, tranquille. Alors là, j'arrive à l'île de Pierre. Merci pour ton follow, JJLLF. Sympa. Ouais, dans mes missions, il y avait Perles Blanches aussi. J'avais mis les Perles Blanches. Non, mais mes 5 missions, mais comme j'en ai remplacé par les... T'es Twitcher là, Willow, NS Killer et Damien. Donc il y en a 3 en moins. Voilà, que j'avais programmé. Donc là, on va se rapprocher. On se rapproche de l'herbe herbivore. Et on va essayer de trouver les perles noires. Je crois que les sarcos et la sangsue, je crois que je vais laisser tomber. Hein. Ouais, les trilobites, tout à fait, Saturne. Tout à fait. Je sais où il y en a un petit peu, mais bon. Tu as raison, Saturne. Tu as raison. Et puis même pour la baleine. Exact. C'est vrai qu'il faut longer la côte. Parce que la baleine, si c'est une alpha, deux coups de queue est terminé. Hein. On est au fond de l'eau. Hein. C'est bien, je suis arrivé en retard. Ouais, t'es arrivé en retard, Mr. Groot. Tu peux plus voter là. C'est fini, ouais. Ouais. La baleine, elle... Ah ouais, pardonne pas Saturne, ouais là, c'est d'essayer. Ouais, tout à fait, mais voilà, après il faut arriver à l'heure à l'île herbivore. Donc, avec vos enfants, vous donnez à quel âge les... Tu donnais à quel âge les petits pots aux enfants? 4 mois. Ah ouais. Ouais, 4 mois, Laura. 6 mois, Damien. Ça dépend de l'enfant. Hein. Son transit intestinal, faut faire attention. Le plus tard possible, dit Patou. Normalement, faut l'allaiter le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Mais les petits pots, le plus tard, hein, c'est ça. Le mieux, c'est de voir le pédiatre. Hein. Je sais pas, j'ai 13 ans. Ah, t'es encore au petit pot, toi, NS Killer. Faudra que tu changes, faudra que tu te demandes de changer, Nestiller. Il est encore un petit pot. Dit... Bah ouais, c'est bon les petits pots. Hein. Ah ouais, c'est... Moi je sais que je les forçais pas, moi, quand ils avaient les petits pots à la pomme fraise. Moi je les forçais pas, ils en voulaient pas, moi je le mangeais, hein, direct. Hein. Pas tout, elle me disait, il a déjà fini, ah c'est bien et tout, c'est bon, elle avait mangé, tu m'étonnes. Le gamin, il avait encore faim après. Bon, bah allez, mais j'allais pas le forcer à manger quand même, il avait pas faim, petit bonhomme. Hein? Faut pas forcer les bébés à manger. Oui, 2 heures après, évidemment. Ouais, c'est cela, ouais, c'est ça. Bon, allez, on va mettre la bouteille de gaz, la bouteille de plongée, là, allez, hop. On va voir s'il y a des trilos. Ah. S'ils ont faim, ils mangeront. Ouais, faut pas forcer. Voilà, t'as vu? Saturne, il me dit, faut pas forcer. C'est pas bien. Parce que souvent, quand ils en veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? On pince les joues. Hein?
On passe les jours et on est obligé d'ouvrir la bouche et une cuillère là-dedans. Allez, vas-y, roule ma poule. Puis après, il vient, il crache tout. Et hop, on prend la cuillère, on reprend son vomi et hop, on lui remet dans la bouche. Allez, roule. Faut manger. Enfin, à ce qu'il sort de la bouche, quoi, c'est bon. Désolé, là, du coup, j'ai pas entendu. Alors, 4, 6 mois, 8 mois, ça dépend de l'enfant, Laura. Non, mais attends. Alors, attends, là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire une petite plongée, là, les copains, voir s'il n'y a pas de trilo. Allez, on va mettre les palmes, on va mettre la bouteille, le torse, et on va faire un petit tour dans l'eau. Allez, on va essayer de trouver des trilos. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il y en a par là. C'est vraiment mon coup de bol, hein, parce que les trilos... Bon, j'ai des mégalodons. Ah non, ça c'est un machin. Là, j'en ai pas. On va descendre dans les profondeurs profondes. Il n'y a pas de trilos, là. Ah oui, dans ma mission, il y avait le pétrole aussi. C'est pour ça que j'avais mis les équipements. Ah oh, ouais, donc que dalle, hein, zéro, là. Ah, ça va être dur, là. Pas de trilo, là. Normalement, c'est dans le sable. Ah oh, ouais, non, je vais pas plus profond, hein, c'est pas la peine. Hein. Il y a déjà 3 mois et demi. Ah bah bientôt alors, Laura. Bientôt. Ouais, normalement, la carotte, c'est bien ça. Je sais que nos bébés, ils avaient les joues tout, trop, tout orange. Ils étaient tous orange, nos enfants. On aurait dit des Indiens. Carotte et pomme. Ils avaient la peau... Ouais, le mieux, c'est de voir avec le pédiatre, ouais, tout à fait. Parce que ton médecin, celui-là qui suit tes enfants, Laura. Hein. Le mieux, c'est ça, hein. Que dalle, zéro. Wow. Ah, puis j'ai froid en plus. C'est vrai que j'ai eu au moins une petite perle noire, là. Ça serait sympathique, là. Multiplié par 10, ça serait génial. Non. Purée, Patouane en a deux, hé. Bon, je vais me rapprocher. On mettait dans l'armoire juste hein, pour les calculs, hein, mais mettez ce qu'il faut. Hein. Ouais, arriver là-bas, ouais. Hein. Apparemment, ça constipe la carotte. Ah bon? Oui. Ah bon? La carotte, ça constipe? C'est pas que ça constipe, moi j'en donnais à Cécilia quand elle avait des problèmes intestinaux. Ah ouais? Bah, tu fais carotterie, puis c'est bon. Allez hop. Bah, le riz, ça constipe aussi? Ah, c'est pour ça que vous êtes bridé. Ça force. Ça a les yeux. Y a... tu veux... Oh, des... carottes pruneaux. On dirait, ah, nous, on préparait nous-mêmes les purées. Ouais. On va vous enlever le noyau aussi. Attention, c'est pas bon les noyaux pour les gamins. Ni pour nous. Bah c'est ce que dit Damien, il faisait la purée lui-même, hein, machin lui-même. Ouais, mmh. Ouais. Bah faut dire qu'elle nous a cagué, elle. Hein. Dans tous les sens du terme, elle nous a vraiment. C'est quoi ça? Ouais. Bon, ben, pas grand chose, là. Purée. Ah, ouais, là, ça va être. Ah bon? Ça va! Elle est dure quand même, hein, cette mission-là. C'est le mieux, je pense, Laura. Ça va, ok. Je suis méchant. Ah bon? Qui c'est qui est méchant? Ah, j'ai un radeau là-bas, dis donc. J'ai un concurrent. Ah, t'as été là-bas aussi, toi, alors.
Non, ah non, t'es là-bas, d'accord, ok. Ok, je vais te voir. Moi, j'en ai pas, hein. Alors, t'en as deux, toi. Eh ben. Ah, faut pas que je gagne tout le temps, parce qu'après, hein. Salut, Nico, il y a longtemps, dis donc, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir de te voir, Nico. Cool. Pas de crocodile par là. Petit crocodile par là. Hein. Toujours meilleur le fait maison. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, tu sais ce que tu manges fait maison. Ça c'est clair. Merci Mamat 10 pour ton follow. Est-ce qu'il y a des sarcos par là? Non, je sais pas. Je crois pas. Hein. Oh purée. Ah dur dur. Hein. Ah ouais, là c'est pas le top top, hein. Et sinon, je vais me faire vite fait une pieuvre, hein. Un Titazenerus Inuk. Hein? Un Tuzo, c'est ça, non? Ou alors, je vais piquer ce Apatou, je vais prendre dans son armoire. J'ai pas le droit, hein, non. Non, on n'a pas le droit de se voler les choses, hein. Tout à fait. Non. Donne-moi-en. Hein? Il faut me donner à Cagna. Si tu me donnes pas à Cagna. Ah purée, elle a que des trilos, elle. Attends, oh. Vas-y, mais va plus vite, toi, radeau, là. Il n'a pas tout le temps, mais tu nous pètes tous les trisos, trilos. Ouais, non, les trilos, pardon, excusez-moi. Ouais. Non mais des... Bon, on va faire autrement. Alors les crocodiles, je crois que c'est mort. Hein. Là, le sang de sangsue, il y en a là-bas, mais ça va être trop long. Ouais, c'est trop loin, ouais. Ah Nico, c'est Nico. Nico. Bon, on va essayer de trouver des voilà. Moi, je laisse tomber la sangsue et les pots de sarco, hein, parce que c'est dans les marécages. Donc, et on va se concentrer dans les dernières minutes pour les trilos. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça, là, je suis au point de rendez-vous. Hein. Voilà. Allez, on va faire que de l'eau maintenant, juste à temps que Alexa elle nous dit quelque chose. Allez, c'est parti. Je pense que ça se prononce quelque chose, mais il peut y avoir d'autres manières de le dire. Bien sûr, Alexa, bien sûr. Allez, on y va. Je sais que des fois, il y en a pareil. Oh, il y a des raies, là. Ouf, il faut faire attention. Nico aussi est là, moi aussi. Bah oui, on reste à côté du point de rendez-vous. Hein. Je sais que des trilos, il y en avait par là. Ah purée. Est-ce qu'il y en avait tout au fond? Je sais pas. Ah, ça c'est la chasse aux perles noires. Des fois il y en avait là. Non, il n'y en a pas. Puis j'ève la tête pour voir mieux, moi, n'importe quoi. Allez, go, va là-dedans. Purée. Ah, t'as du pot d'en avoir trouvé, toi, des trilos, là. Mac. Descendre plus profond. Purée, il y a que dalle, hein. Bah si, mais
Il y en avait là avant. On a passé 2 ans sur l'île herbivore. Il y en avait plein. Mais après, serveur privé, serveur officiel, c'est peut-être pas pareil non plus. Hein.